Good morgen, allez, Iden les Sucera, aujourd'hui, le Nishmat Richaron Ben Fortune Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal, et Olga Bat Solvanich. Si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étions à Sachatanit Perigimel Mishnah Zain, Al Elo Matrein Beshabbat. Al Ir Shehikifua Goim, O Nahar. Val Svina Mitarefet Bayam, Rabbi Yossi Omer Le Ezra Velo Litzaka. Rabbi Shimon Atimni Omer, Lo Af ala dever, velo odolo chachamim. Mishnah un peu délicate, Bezrat Hashem, j'espère qu'on va réussir à bien expliquer. Mais le début d'abord de la Mishnah, il est très simple. Alelu matrein beshabbat. Pour ces types de catastrophes, on va littéralement, matrein, c'est tirer des alarmes. On va faire des tfilot pendant Shabbat, mais on ne va pas jeûner pendant Shabbat. Ouais. On parle en fait qu'on va découvrir que maintenant il y a des dangers imminents, très violents. Plus grave que ce qu'il y avait dans les Mishnah précédentes, on va expliquer après pourquoi c'est plus grave. Et donc, Matrein Beshabbat, même pendant Shabbat, tout de suite, on ne va pas attendre de faire lundi, jeudi, de décréter, tout de suite, on va se mettre, on va se réunir, et on va prier, chacun va prendre des télés, on va passer un Shabbat à pleurer de toutes nos forces pour que Hachem nous écoute, mais sans jeûner, parce qu'on ne jeûne pas pendant Shabbat pour ces conditions-là. Alors, c'est quoi? Al-Ir Shehikifua Goyim Onachal, sur une ville qui a été maintenant assiégée par des Goyim, ou par le fleuve. Soit, on y a un siège autour de la ville, on ne sait pas ce que c'est, ou bien même le fleuve qui est monté et que maintenant il nous menace de nous envahir. Tout de suite, on se réunit, même pendant Shabbat, on arrête de manger la Dafina et les Esmiro de Shabbat, on se réunit à la Beth Knesset et on prie Hachem pour qu'il nous écoute. De même aussi, Al Sfina Amitarefet Bayam. Aussi pour un bateau qui est en train de perdre, en pleine mer, qui est en grand danger, on la voit apparemment, j'imagine qu'on la voit loin, ou bien on parle des personnes qui sont dans le bateau lui-même, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il y a un danger imminent, tout de suite on se réunit, on fait des tfilotes, on ne va pas se dire non, c'est Shabbat, Shabbat Milizok, on reste tranquillement en train de faire les émirats de Shabbat à la table, pas du tout, on se réunit, on fait des tfilotes pendant Shabbat, ok? Ça c'est la vie de Tanakama. Pour le moment c'est clair, c'est simple, même si après on va découvrir que c'est vraiment pas simple en réalité. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi Rajou, nous dit non, les Ezra velo letzaka. On ne va pas se réunir pour faire les tfilotes, on va se réunir pour aller soit prendre les armes, soit prendre les pelles, ou je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on évite que le fleuve il va venir ici, peut-être entasser des pierres pour renforcer les digues. Ou bien s'il s'agit de Svina Meter Fedwaya, c'est prendre les bateaux et pour aller les sauver. Mais pas pour faire des tfilotes pendant Shabbat. Pourquoi pas pour faire des tfilotes pendant Shabbat? Parce que selon Rabbi Yossi, lui, alors c'est expliqué dans Rashi rapporte, que si on était sûr et certain que nos tfilotes marchent, alors on a eu le droit de profaner un peu le Shabbat, même si on ne profane pas concrètement activement en transgressant, mais le fait de s'attrister pendant Shabbat, c'est en soi même une sorte de transgression. Il faut être Shabbat, il faut être Beshalva, avec beaucoup de simcha et de d'accord, d'être tranquille, et du coup, prier avec pleurs, c'est un problème pendant Shabbat, on n'a pas le droit de pleurer pendant Shabbat, c'est pour ça qu'on ne fait pas une tfila particulière, même la rachama, il y en a qui disent qu'il ne faut pas le dire, pour ne pas prier pour ses besoins personnels, pour ne pas qu'on soit mourir du tsar. Là, on avait, alors, d'après Danakama, on aura le droit de veiller toute cette peine pour prier, parce que maintenant, si c'est pas le moment de prier, maintenant, quand on priera? Rabbi aussi nous dit, non, étant donné qu'on n'est pas sûr que nos filotes vont être agréés, alors dans ce cas-là, tu risques de faire une grande bêtise, tu risques de te mettre à transgresser Shabbat pour rien. Si tu es un tzaddik, imagine que tu es Baba Sali, alors je pense qu'il aura le droit de prier, lui. Même Rabbi aussi sera d'accord. Mais si c'est pas le cas, alors il s'avère que tu vas te réunir, tu vas te mettre à prier, finalement quoi? T'es qui pour que jamais l'écoute tes petites filotes? Peut-être que tu dois plutôt faire tchouba sur autre chose avant de te mettre à prendre ton télim et te mettre à pleurer. Donc du coup, on ne va pas faire des filotes pendant Shabbat, comme ça c'est expliqué. Entre parenthèses, juste, il y a un sujet très intéressant qui est rapporté dans les poskim. Est-ce qu'à Shabbat, imaginez, Chas v'Shalom, quelqu'un qui se retrouve à Mevaseret, Tzion, Tel Aviv, je ne sais pas, il a Chas v'Shalom un grave accident, quelqu'un qui est malade à la maison, il a envie de transgresser Shabbat pour Pikuach Nefesh, pour partir chez le Rav de Yerushalayim, de Bnei Brak, de ce que vous voulez, pour qu'il fasse une tfila. Est-ce que c'est un moyen de Pikuach Nefesh? Imaginez, quoi, concrètement, en théorie, ça devrait l'être, peut-être. D'un autre côté, c'est un grand sujet dans la poskim. Finalement, si le Rav, c'est pas sûr que cette fille-là va être acceptée, ben, c'est bien, ça sert à rien, t'es en train de faire un chiloul Shabbat pour un Pikuach Nefesh, mais qui sert à rien.
C'est un grand sujet. Imaginez, par exemple, prendre un taxi pour partir jusqu'à Nitivot pour aller voir Baba Salé. Peut-être que oui, en théorie. C'est un grand sujet dans les poskim, c'est très intéressant. Ça touche un petit peu à ça. Selon la réplique de Rabbi Yossi qui nous dit que t'es pas sûr que tes tefillot vont être agréés, donc pourquoi tu vas profaner le Shabbat? Concrètement, prends les armes, va te battre, ça oui, il y a plus d'intérêt. Et maintenant, dernier avis, alors là, c'est là où ça va devenir compliqué. Shimon HaTimni Omer, Afala Dever. Shimon HaTimni va nous dire, même pour la peste ou les épidémies, qu'il y a un risque d'épidémie quelque part, eh bien même pendant le Shabbat, on va tirer les ailes, et on va prier fortement. Vélo de l'Ochrami, Ochrami n'ont pas été d'accord. Alors là, il va falloir faire un petit peu d'or dans la Mishnah, un petit peu plus. Je vous dis directement ce qui est écrit dans le RAN, après plein de questions et plein de réponses sur toutes sortes de choses qui ont été proposées. L'Agma explique, le RAN plutôt l'explique, que pour les catastrophes qui sont évoquées dans notre Mishnah, qui sont imminentes, figurez-vous que elles sont très graves, et parce qu'elles sont très graves, eh ben, elles vont être moins strictes. C'est-à-dire, en théorie, quand il y a juste toutes les sortes de catastrophes qui ont été évoquées du début du chapitre, qui nous menacent, eh bien, Chachamim, les sages, les rabbinim de la ville vont décréter que lundi, jeudi, lundi, on décrète 3 jeûnes pour résoudre tel problème, et tout le monde va se réunir, on va prendre nos dispositions, on va faire des jeûnes. Mais lorsque la catastrophe est imminente, on n'a pas le temps de décréter, d'attendre jusqu'à lundi et jeudi, c'est tout de suite. Et si tu devais jeûner, alors tu ne te mettrais pas à jeûner en étalant ça le lundi, jeudi, tu devrais jeûner 3 jours de suite. Ouais, comme à l'époque de Esther, il y a une catastrophe, il faut jeûner tout de suite, 3 jours. Tout le monde est là, peut-être manger le soir. D'un autre côté, on ne peut pas faire un décret sur le public qui est tellement, tellement rigoureux de se mettre à jeûner 3 jours de suite. On ne peut pas faire un décret aussi violent que tout le monde va se mettre à jeûner pendant 3 jours. Donc du coup, c'est tellement grave qu'on va te dire, tu sais quoi, tu pries tous les jours, on n'impose plus de jeûne, ni le lundi ni le jeudi, parce que si c'est pas une série de 3 jeûnes, apparemment ça sert à rien, je ne sais pas pourquoi, c'est forcément 3 jeûnes. Donc du coup, je parle pour le moment, pour tous les cas qui sont évoqués dans notre Mishnah, qui sont imminents, on décrète qu'on va faire des tefillot tout de suite, on va se réunir à la Beth Knesset pour prier tous les jours, mais on ne va plus décréter de jeûne, parce qu'on ne peut pas se mettre à attendre lundi, jeudi, lundi. Et d'un autre côté, imposer de jeûner 3 jours de suite, on ne peut pas le faire. Donc du coup, on va faire que prier sans jeûner. Entre parenthèses, s'il y a à titre personnel, des gens qui veulent jeûner, kol hakavod lahem, au contraire, qu'ils le fassent. Mais nous, on ne peut pas décréter officiellement que toutes les villes elles vont se mettre à jeûner tellement, donc du coup, on ne fera aucun décret de jeûner. D'accord? Ça, c'est d'abord pour comprendre de quoi on parle. Du début de la Mishnah. Suite à ça, alors je vous explique directement dans le Pshat du Ran aussi de nouveau, arrive Shimon HaTimni et nous dit, tu sais quoi, même le dévers, même lorsqu'il y a la peste, ou une épidémie très violente qui frappe tout le monde, donc, et ben, dans ce cas-là aussi, on a le même système. Afala Dever, on est matria même dans Shabbat. Et quand je te dis qu'il faut faire des tefillot même pendant Shabbat, ça veut dire que c'est très imminent. Et ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y aura plus de jeûne. Il n'y aura que des tefillot tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est sur ça que l'eau, d'où l'eau, chachamim, on n'a pas été d'accord. On dit non, Dever, ça va, une épidémie, d'accord, c'est embêtant, c'est ce que tu veux. Mais il n'y a pas de béhala. Il n'y a pas besoin de se mettre à courir comme des fous. Et on peut faire les choses de manière plus posée, plus construite. Que les gens fassent des tehillim s'ils veulent tout de suite. Qu'on faisait de filotes, mais on peut encore prendre le temps de décréter des jeûnes avec le système classique de 3 jours et de faire les choses mieux comme ça. Il n'y a pas d'affolement de le faire, de raison de le faire tellement rapidement. Je vais vous expliquer la Mishnah selon le RAN. Il y a une autre interprétation, je vous le dis aussi très rapidement, c'est d'expliquer que non, que Shimon HaTimni, que même sur le dévers, il faut faire aussi des décrets de faire des filotes, même pendant Shabbat. Et l'autre de l'Ochamim, il y a aussi un nouvel avis de Chachamim qui pense que on ne jeûne pas du tout aussi pour la peste ou pour une épidémie. Et là, c'est une raison très intéressante rapportée expliquée par le Tosfot Israël. Donc là, on ne fait plus du tout de jeûne du tout pour l'épidémie, mais pour une autre raison. Parce que le jeûner, ça affaiblit le corps. Et si Chas v'Shalom, quelqu'un, il va se faire. Il va avoir l'épidémie qui va commencer à lui. La maladie qui va commencer à lui rentrer dans le corps. Il a intérêt à rester en forme. Et ne pas du tout être affolé et anxieux. Il faut qu'il mange et qu'il soit à l'aise. Et ouais, je t'ai peut-être rajouté un peu faussé un petit peu ce qu'il dit. Il insiste juste que si on se met à avoir trop d'anxiété, alors on risque justement d'être plus affaibli par l'épidémie. Donc il vaut mieux pas se mettre à jeûner et juste se contenter de. Et juste voilà quoi. D'accord? Juste se contenter de faire des 3 jeûnes, comme ce qu'on a expliqué dans la première Mishnah, mais pas plus. Non, même pas les 3 jeûnes.
Rien du tout, on laisse couler. C'est très étonnant d'ailleurs. Plus je parle, plus je réalise combien c'est affolant, quoi. Il y a une épidémie, donc on va pas se mettre à prier, de peur que si on va se mettre à prier, on va devenir plus anxieux, on va devenir plus malade. Je suis assez étonné par ce qu'il y a écrit ici, le Tifat Israël. En tout cas, on n'a qu'à retenir la première explication qu'on a dit, qu'en fait, c'est une discussion, en fait, est-ce qu'il faut tirer les alarmes très violentes, et donc dans ce cas-là, on va plus se mettre à jeûner, ou est-ce qu'on peut faire une tchouva de manière plus construite, plus ordonnée, avec les 3 jours de jeûne classiques. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov U'Salah.